Bonjour, aujourd'hui nous nous intéressons aux légumes secs comme la lentille, le haricot, le pois et la fève. Ces graines comestibles appartiennent à la famille des fabacées, appelées communément légumineuses et comprennent plus de 12 000 espèces. La lentille est très appréciée en salade froide, additionnée de vinaigrette, dans les plats mijotés comme le petit salé et les saucisses lentilles, mais aussi sous forme de potage. De couleur verte, les lentilles du Puy et du Berry bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée. La lentille rosée ou lentille corail, comme le lentillon de la Champagne, tendre et douce, se déguste en salade ou en accompagnement de viande ou de poisson. La fameuse lentille blonde de Saint-Flour est quant à elle incontournable dans la recette des lentilles à la dijonnaise, en ragoût ou en salade avec du cumin ou des dés de pommes vertes. Le haricot sec est un trésor de variétés. Le haricot rouge s'invite dans les chilis, les salades froides, les ragoûts avec du riz, le minestrone et le goulash. Entre le coco de Paimpol, qui bénéficie d'une AOC, la maugette de Vendée ou des Charentes, et le flageolet, le haricot blanc est surtout connu grâce au cassoulet et au gigot d'agneau. Il s'apprécie également avec du lard fumé, de la tomate et un peu de vin blanc à la mode de Bretagne. Le pois sec ou pois cassé, jaune ou vert, est délivré de sa peau lors de la cuisson. Sa texture est parfaite pour les potages et les purées avec une pointe de cumin et de paprika. Le pois chiche est quant à lui présent dans la fameuse recette du couscous, mais aussi dans la purée de pois chiche additionnée d'ail, de citron, de cumin, appelée houmous, ou dans les falafels, ces boulettes parfumées au piment, à l'ail, au cumin et à la coriandre. Présent dans un grand nombre de recettes de salades, il est essentiel dans l'alimentation végétarienne. La fève doit être débarrassée de sa cosse. Elle met en valeur une côte de veau ou un filet de poisson, une salade avec un filet d'olive et de jus de citron ou encore une crème alliée à un bouillon de poule. Les adeptes du bio ne seront pas laissés en reste puisqu'un large choix de légumes secs cultivés selon les règles de l'agriculture biologique sont disponibles notamment dans la gamme Bio Village de la marque Repère. Les légumes secs ont subi une déshydratation préalable qui permet un stockage long et facile. Pour les préparer, laissez-les tremper une dizaine d'heures dans de l'eau froide, puis faites-les cuire environ une heure à feu très doux. Côté santé, leur richesse en protéines est intéressante, surtout lorsqu'ils sont associés aux féculents. Leur apport en fibres protège notre flore bactérienne et améliore notre transit. Leur apport en glucides à index glycémique bas permet par ailleurs de maîtriser notre poids et d'équilibrer la glycémie des diabétiques. Et n'oubliez pas que ces produits sont disponibles dans votre magasin Leclerc avec la marque Repère. À très bientôt!